Bonjour, bonjour, ou plutôt de retour pour celles et ceux qui étaient là ce matin. C'est reparti. Deuxième partie de ce cardigan Harper qu'on a donc assemblé ce matin. Cet après-midi, la bande d'encolure et les poignées de manche. Voilà où on en est. Eh bien, voilà, je venais d'ouvrir le livret technique. Eh bien, on y va. Donc, la bande d'encolure. Alors, c'est là que ça devient un peu plus. Donc la bande d'encolure, je rallume là. Bande d'encolure, la voici. Elle est. Salut toi! Non, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. On a dit non. On a dit non. Les battes de baseball ne sont pas le meilleur moyen de. Ouais, je suis sûre. Mais t'es à la maison là, d'habite pas le jeudi, le mercredi, t'es pas censé être à la maison. Alors, j'ai toujours une interrogation sur ce passage-là. Sur ce qu'il y a à faire. Ah, alors évidemment, téléphone. Excusez-moi. Bon, non, désolé, c'est le garage qui m'appelait pour me dire que la voiture a été prête. Et je lui avais dit de pas appeler avant ce soir. Bon, c'est pas grave. Désolé. J'ai enlevé ça. Alors, donc t'es au bureau. Oui, bah t'es au bureau, d'accord. Donc tu m'as dans tes oreilles. Bien, bien, bien. Alors, donc je disais. C'est toujours sur celle-là que j'ai un gros doute. Couture par procuration. Ouais, je comprends bien. Alors, endroit contre endroit, couser les extrémités courtes des deux bandes avant. Ah, ok. Pour former une bande continue. Ça, c'est pas trop compliqué pour former une bande continue. Bonjour Nadine! Bienvenue, bienvenue. Ce que je ne comprends pas, c'est toujours l'histoire de la couture au milieu. Là, j'ai toujours un grand mystère. Là, voilà.
là, je ne sais pas. Joignez les deux bords courts. Bon, ben ça, c'est pas trop compliqué. Joignez les deux bords courts. Hop, ça va, ça se fait comme ça. Par contre, pourquoi j'ai ce truc au machin, hein, au milieu, là, je ne sais jamais. Pièce 4. Pli. Donc je le plie, je le coupe deux fois sur le pli. Ouais, bah ouais, d'accord, ok. Mais pourquoi je dois... Ouais. Ouais, ça y est. Ben, regarde. Ah, c'est pas du thé, moi, c'est une infusion, mais. C'est les vacances, ouais. Oui, oh non, mais ça a été là. C'était pas trop compliqué. C'était pas très long. Ils ont pas été infernes. Enfin, c'était pas très compliqué. Il y a des périodes plus difficiles que la première. Si je me mettais peut-être sur mes mains plutôt que sur ma tête, donc il n'avait rien à faire. On est bien d'accord. Hein? Ma tête, rien à faire. Oh, slide. Non, mais si. Ouais, c'est gentil, Laetitia. Alors, ce que je voudrais être sûre, c'est savoir si c'est bien. Oui, ça, c'est bien ma bande d'encolure. Ça, c'est bien ma bande d'encolure. Oh, ouais, c'est bien ça. C'est le seul point de ce patron. Non, il y en a un autre, je vous le dis après. C'est le seul point de ce patron que je n'ai jamais trouvé clair. Le deuxième point que j'ai oublié de vous dire ce matin, c'est que chez Sinclair Pattern, ça taille très, très, très petit. Aïe. Ouais, alors j'ai essayé de régler l'histoire d'image qui saute. Je pense que c'est un problème d'encodage, justement, et ça ne marche pas. Et donc. Ça marche pas et j'arrive pas à savoir ce qui va pas. Donc je suis de nouveau sur mon vieux téléphone là pour vous filmer. Ouais, il est facile pourtant, sauf cette étape-là où on me demande sur la bande d'encolure, là, au milieu, il y a ici un truc à faire. Et à chaque fois, je me pose la question. Et je ne comprends pas ce qu'il y a à faire avec ce truc. Voilà, chaque fois, je ne comprends pas ce qu'il y a à faire. Alors moi, j'ai fait quatre tailles différentes. Et les quatre tailles que j'ai fait se sont toutes avérées trop petites d'au moins une taille. C'est-à-dire que j'ai commencé à en faire un pour moi. Le premier, il était pour moi. Il était trop petit, il a atterri chez ma fille. J'en ai refait un une taille au-dessus pour moi qui était moyen. Pour ma mère, je lui ai fait directement une taille au-dessus, et ben ça aurait pu être encore une taille supplémentaire. Et ensuite, j'ai fait le Monterey pour mon fils, hein, le sweat. Ah ben lui, j'ai même pas essayé, je suis carrément passée deux tailles au-dessus de ce qu'ils indiquaient tout de suite, direct. Et il est à la bonne taille. Donc voilà.
On est, pour moi, en tout cas ma couture à moi, on est une à deux tailles en dessous de la réalité. Ben voilà. Sur deux modèles, systématiquement, moi j'ai trouvé que c'était pas fiable. Oui, mon patron est bien imprimé. Bah, puis non seulement mon patron a bien imprimé, mais en fait, je l'ai déjà. Celui-là, là, il a été imprimé 4 fois parce que comme je découpe dans le patron, le premier, bah, je l'ai découpé, il a atterri chez ma fille. Le deuxième, je l'ai découpé, il était trop petit. Celui pour ma mère, deux tailles au-dessus, bah, il est découpé aussi dans une autre taille. Le monteret, je l'ai fait pour ma fille et pour mon fils. Et à chaque fois, bah, deux tailles différentes et même pas dans la même stature. C'est-à-dire que chez mon fils, c'est en stature régulière, alors que chez ma fille, c'est en petite stature. Et dans tous les cas, quelle que soit la taille et la stature, je suis toujours. Bah, les patrons sont toujours trop petits. Est-ce que vous voulez que je relance en 720 peut-être? Ce matin, je crois que j'avais lancé en 720. Je peux relancer en 720. Hein. Ouais, je découpe les patrons parce que c'est des PDF, moi, donc je m'en fous, donc je les découpe, regarde. Découpe. Mais c'est le seul point négatif de ce patron, hein. À mon sens. Pour moi, c'est le seul point négatif. Et puis quand on le sait. C'est-à-dire que pour les deux suites pour mon fils et ma fille, je le savais. Donc j'ai même pas cherché en fait. Je suis directement partie de taille au-dessus. Si, si, je paye l'impression. En plus, j'imprime à la maison. Ah, ouais, deux tailles au-dessus. D'accord. Ouais, si, si, j'imprime sur des feuilles à la maison, sur mon imprimante domestique. Voilà, dont j'achète les cartouches d'encre. Si, si. Je ne fais pas ça au travail, non. Bon, alors écoutez, je n'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire avec cette encoche sur le patron, alors ben, on va y aller comme ça. J'ai oublié d'éteindre. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la raison. Est-ce que les Australiens taillent plus petit? Est-ce que. Je ne sais pas. Mais bon, maintenant que je le sais, je fais avec. Hein. Voilà, je fais toujours. Oui, l'encoche, c'est pour l'encolure d'eau, c'est pour placer l'encolure d'eau. Mais je ne vois pas pourquoi faire ce tracé sur le patron alors qu'il suffirait juste de mettre un cran, quoi. Il y a juste un cran à mettre. Je sais pas. Alors. Donc là, j'ai toute mon encolure. Voilà, donc là, ça c'est le milieu. Et là, j'ai toute mon encolure. Et ah oui, ah ben je sais ce que j'ai pas fait, mais ça c'est moi, c'est pas le patron. J'avais pris l'habitude sur celui-ci de couper la bande d'encolure en contre-fil. Alors je vous explique pourquoi. Et puis j'y ai pas pensé là. Donc dans le tricot. On a des lignes de tricot qui sont super marquées. Hein, c'est le principe d'un tricot. Et donc, en fait, j'avais pris l'habitude
sur les derniers que j'ai faits, de découper mon encolure en contre-fil, contrairement à ce qu'ils indiquaient, parce que là, je vais me retrouver avec une encolure, enfin, les bandes qui sont en perpendiculaire. Alors, c'est un choix, hein. Eux, c'est ce qu'ils décident de faire, c'est juste que je n'ai pas pensé qu'effectivement, je préférais, moi, avoir... Pas si je vais être claire, puis alors avec le contre-jour de cet après-midi, c'est... Il fait grand, grand soleil chez moi. Voilà, là, je pense que vous voyez bien. Vous voyez, tricot vertical, et là, on va être en tricot horizontal. Et donc, c'est vrai que, bon, les premiers, j'avais pas pensé, mais les derniers, j'avais pensé à mettre ça en contre-fil. Je n'ai pas pensé, là. Bon, bah, j'y ai pas pensé. Voilà. Alors, ensuite. Alors, plier les extrémités courtes de la bande. Hop. Endroit contre endroit. Voilà. Oh oui, Sly, je suis d'accord. En fait, je me fiche effectivement de 38, pas 38. D'ailleurs, en fait, c'est en taille américaine. Donc là, je suis en US. Ça, c'est du 10 ou du 12? Je suis en quoi? Je suis en US 10, là. Alors que je devrais être en US 6. Voilà, vous donnez une idée. D'après les tableaux de mesure, je devrais être en US 6. Et là, c'est de l'US 10. Hop, alors, est-ce que j'ai pas vrillé ma bande? Ça serait quand même un peu bête. Non, je n'ai pas vrillé ma bande. Ok. Hop, on revient sur la surjeteuse. Alors. Oui, dans ce sens-là, c'est bien. Ah non, j'étais pas bien positionnée. Oh, c'est pas bien ça. J'ai bien pas bien bord à bord. Hop, même chose, on va essayer de pourvrir la bande. Voilà. Voilà. Ok. Alors là, il faut retourner les coins.
Ça veut dire qu'il faut que je rentre mes fils d'abord. Hop, alors on va rentrer les fils, mon aiguille. Paire de ciseaux. Pas laisser beaucoup de marge là. Et de l'autre côté. Non, chose, je rentre à l'intérieur. Ah, vous voyez pas, c'était pas sur mes mains. Voilà. Et donc, il faut retourner là. Et là. Ça vrille de partout. C'est pas facile à manipuler, là, je dois dire. Pas facile, pas facile. Je vais aller y mettre des pinces pour, enfin, des épingles pour que ça se tienne. Parce que là, c'est un peu galère. Des pinces, des pinces. Hop. Donc là, alors, on va essayer de pas vriller la couture non plus. Ici. Hop. Voilà. On continue. Partir de l'autre côté. Ok, alors ça c'est ma bande d'encolure. Alors maintenant, j'ai cette histoire de cran. J'ai cette histoire de cran. Ouais, c'est toujours aussi étrange. Je vais essayer de voir ce que ça donne comme ça. Ça me gêne, ça. Bon sang. J'ai pourtant rangé entre ce matin et ce midi, hein. Enfin, avant de lancer le live. Alors, déjà, on va. Hop.
Mettre comme ça. Mettre les manches. C'est ton combien, Sly, depuis ce matin? Dis-nous tout. Alors, si le cran, il est là. Alors, c'est à combien? Mon réglé. Mon réglé, mon réglé. Je l'ai rangé, évidemment. C'est à 9. 8,25. C'est-à-dire que je suis ici. Ah! Tac. Et de l'autre côté. 8,25. Je suis ici. Donc ça, c'est mes coutures d'épaule, si je me suis pas trompée. Hop. Et ben, je ne me suis pas trompée, c'est tout à fait ça. Toujours beaucoup d'embûches sur cette couture d'épaule. Là, ça, c'est pareil. Jamais compris pourquoi ils mettaient autant d'embûches sur l'encolure. Ah, puis alors, ça roulotte dans tous les sens. Vers quoi? Vers là. Que je fasse la même chose que sur les épaules, tant qu'à faire. Vous voyez rien. Pardon, désolé, vous voyez rien. Excusez-moi. Là. Beaucoup, beaucoup d'embûches sur cette encolure. Toujours. Enfin, beaucoup. Ah, ça se résorbe à la main, hein, mais il y a de l'embût. Sur l'encolure, il y a de l'embût. Et c'est indiqué, hein, dans le livret technique. Donc, c'est aussi bon. N'est pas surpris. Tac. Faut le gérer. Là. Et de l'autre côté, même chose. On va jusqu'à l'encolure. L'encolure, c'est ici. Même chose, je fais gaffe à le mettre dans le bon sens. L'encolure, là. Vers le col. J'enlèverai les épingles. Hein. Vous ne tracassez pas. Je ne vais pas les passer sur la surjeteuse. Mais tant que je n'ai pas placé toute la bande, je préfère les garder. Parce que si je suis obligée de m'amuser à les remesurer à chaque fois, ça va m'agacer. Là, mes épingles pour indiquer les épaules. Tac. Ok, ça c'est mon encolure avec les crans. Alors, ce que je regardais, ouais, c'était le bas, comment est-ce qu'il était mis, mais je crois qu'il est mis, ouais, simplement comme ça. Le bas est simplement
C'est le point un peu pénible, un peu difficile du truc là, c'est faire en sorte que en bas il n'y ait pas de décalage à la couture, sinon c'est pas joli. Je me demande si je vais pas faire quelques points de voilà, ça y est. Allez, décidément, puis ce matin, les mots m'échappent. Si je vais pas bâtir un petit peu en bas là. Le long de cette bande. Juste le bas. Parce que j'ai constaté que comme on démarre du haut vers le bas, quand on arrive en bas, eh ben, on se retrouve parfois à avoir un décalage ici et c'est pas très joli, je dois dire. Donc je pense que je vais bâtir le bas. Comme ça ne bougera pas. Tac. Cette partie-là, là, entre ces deux pinces. Voilà, bah, puis le reste, bon, il s'agit simplement de mettre ensemble, tout bêtement. Hop, alors, on laisse passer. Pas mal, c'est pas mal. Oh, qu'est-ce que ça roulotte? Voilà, hop. Pas mal ça. Ça me paraît être peut-être un petit peu plus par là. Et je profite des pinces que j'ai déjà mises. Juste voilà. J'y retourne. Allez. Ça roulotte, ça s'est retourné dans ma pince. Petit risque. Donc là, si je me souviens bien, ils disent de partir du milieu d'eau. Alors, c'est pas trop facile avec la surjeteuse et de redescendre vers le bas. Et puis même chose, de repartir du milieu d'eau. De redescendre vers le bas, je crois que c'est ce qu'ils disent. Pas de partir d'un bas pour aller jusqu'à l'autre pour éviter les décalages, il me semble. Ah non, alors c'est l'inverse. Il dit de partir du bas et de remonter vers le milieu et du bas de remonter vers le milieu. Voilà, enfin de tout cas là, il faut le faire en deux. En deux étapes. Pas facile avec la surjeteuse. Ah, j'ai. Ah bah oui, c'est normal. J'allais dire j'ai pas pris derrière, mais non, j'ai pas pris, du coup. C'est normal. Là. Ah, et bah même chose de l'autre côté. Maintenant. Donc, je remets à plat. La bande sans la vriller de préférence.
Alors, répartissons ça bien comme il faut. Alors là, l'autre côté, je l'ai mis vers la bande du bas. Alors, on va essayer de mettre la couture. Bah, pareil, hein, tant qu'à faire. Ce serait mieux vers la bande du bas. Là. Alors. Voilà, ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît parti. Je pense. Ah, j'ai oublié ici. Là. Bah là aussi, ça a vrillé dessous, évidemment. Hop, ça. On remet. Alors là. Tac. Voilà. Alors, je vais regarder si ça tombe bien, parce que sinon, il faut que je... Non, bah ça m'a l'air de bien tomber. Ça tire pas. Non, ça tire pas. Là-haut, j'ai bien l'angle résorbé. Là, ça tire pas non plus. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Voilà, donc je vais aller sécuriser en bâtissant les deux bas. Je préfère. Alors. Au fil de bâti. Voilà. Une aiguille. Là. Ça, j'en ai plus besoin. Je m'en mêle. Je m'en mêle. Alors, essayons que ça soit propre. Donc. Pas que je le serre autant, sinon je ne vais jamais réussir à retrouver mes fils. Là, on va éviter de le prendre dans la couture. Pas facile de... Enfin, c'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile de bâtir là dans le jersey, mais en fait, le fil blanc rentre bien. Je suis pas sûre de le voir après. Est-ce que je vais bien réussir à le repérer pour l'enlever? Bonne question.
Hop, voilà, ça ira bien pour ce côté-là. De l'autre côté, même chose. Je vais dans ce sens-là. Tu arriveras mieux. Ok, et ben voilà, ça c'est fait aussi. Et ben maintenant, vais mettre quelques épingles pour sécuriser le tout. Et on va pouvoir passer sur la couture. Alors, dans quel sens je vais coudre? Ici, je vais coudre dans ce sens-là. Alors, on va tac la couture vers le bas. Merci, s'il te plaît. Voilà. Ah, non, bah, je suis désolée, Sly. Désolée, désolée. Et ça y est, ça vient de rouloter sous ma pince, évidemment. Vous voyez, hein, quand même, il y a de l'embût, hein. Quand je vous dis qu'il y a de l'embût au niveau de l'encolure. Y en a. Pourtant, il me semblait que j'étais. Attends, alors attendez, je regarde en quoi j'envoie ou cet après-midi. Il me semblait que j'étais repassée en 1000, hein, 1000, 1000, en 768. Ah non, il m'a repassé en 1080. Ah, peu tard.
Ah, puis je suis pas assez grande. J'ai tout petit stream. Résultat, bah, évidemment, sur ma chaîne, ils ne proposent pas là, le choix de la lecture. Donc ça, effectivement, je reconnais que. Mais pour le prochain, je repasserai en 768. Ah non, alors là, il faut que je. C'est de l'autre côté, parce que je vais y aller par là. Je vais y aller par là. Ah, si, alors là, j'ai pas peut-être pas bien réparti. Je pourrais peut-être aller un petit peu gagner là. Je vois que je vais essayer de répartir un peu mieux ici sa gondole. Tac. On va essayer d'aller en mettre un petit peu plus un peu partout. Voilà. Non, mais j'ai changé les options depuis ce matin, Lauricia, pour essayer de régler mon problème d'image qui saute. Donc j'ai un peu touché à beaucoup de choses, peut-être depuis tout à l'heure. Pendant le déjeuner, j'ai essayé de toucher au réglage pour voir pourquoi sur mon vieux téléphone, hein, c'est-à-dire celui-là, là, ça ne saute pas. Alors que sur mon téléphone récent, donc de normalement de meilleure qualité, ça saute. Donc c'est peut-être le fait d'avoir touché au réglage depuis ce matin, entre ce matin et cet après-midi, qui fait que ça marche moins bien. Vois-tu? Ça veut dire aussi qu'il faut que je laisse mes streams en 720. Apparemment, vous regardez plutôt en 720 qu'en 1080. C'est bon à savoir. Je les enlève de ce côté-là. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que j'enlève les épingles qui indiquaient l'écran parce qu'elles étaient près du. Voilà, hop, je l'enlève. C'était trop près du couteau. Voilà, donc là, beaucoup plus loin. Donc ça va jusque-là. Allez, on va aller coudre ça. Vous reculez un peu, sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Allez, c'est parti.
Je vais mettre le doigt dans le couteau, ça serait mieux. Alors, on arrive sur l'embu. Ah, j'ai entendu un clac. Ouais. Ah oui, j'ai cassé une épingle. Enfin, une épingle, une aiguille, pardon. J'ai cassé une aiguille sur la couture de la jointure de l'encolure. Hop, alors. Voilà, alors on va enlever et on va enfiler. Alors. C'est cassé dedans. On va éviter de la laisser. C'est très mieux que je ne l'ai pas dans le cou. Hein, bien d'accord. Là, je l'ai cassé, mais sur l'épaisseur là. Ma machine n'a pas aimé. Ah, pardon. Ma machine n'a pas aimé l'épaisseur là. J'ai pas une super surjeteuse. Hein. Alors, et ben, on va donc aller changer. Cette aiguille là. Hop. Fais une grosse commande d'aiguille. Mois dernier. Alors, je les commande chez Avon AVONS à Lyon. Allez, je vais vous montrer. En ligne. Et franchement, le service est nickel. Et puis c'est là, je les trouve, elles sont dans les prix habituels, mais plutôt fourchette basse que fourchette haute. Par exemple, là, le pack de 6 aiguilles universelles, mais les super, celles qui sont galvanisées, pas les normales. Donc, elles durent plus longtemps. Je les paye. Alors, c'est 3,83 € hors taxe. Ça doit faire quelque chose comme 5 €, je crois. C'est les prix standards, mais quand je vois qu'à certains endroits, on les achète à 7,50 € voire 8 le pack. Voilà. Avon Lyon. Avon SARL. Et ils ont une boutique en ligne. C'est des réparateurs de machines à coudre et des revendeurs. Et en particulier, ils font. Ça arrive en lettres suivies. Courrier suivi. Toi, j'ai encore le. Je vais mettre mon. Voilà. Et c'est là que je trouve, où je suis sûre de trouver en une seule commande tous les types d'aiguilles dont j'ai besoin. Parce que ça m'arrive de parfois trouver peut-être un peu, enfin, peut-être un peu moins cher quand je commande dans certaines boutiques, mais pour avoir toutes celles que je fais, que j'utilise, les doubles, les machins, enfin, les doubles aiguilles, les jarzels, les stretch, il faut souvent que j'en fasse plusieurs sites. Et donc, pour le coup, ça cumule les frais de port. Et donc, comme ça cumule les frais de port, et ben finalement, on ne s'y retrouve pas parce que ça revient plus cher.
Alors que eux, je suis sûre systématiquement de toujours trouver toutes celles que je veux. En toutes les tailles comme je veux. Donc, je fais en général, je fais une grosse commande. Enfin, une grosse commande. Ouais, enfin, si, je commande quand même un stock en une seule fois. Oui, alors, moi, les aiguilles universelles, je les prends aussi à mon réparateur. Mais pour les coups, il ne revend pas les super universelles, celles qui sont galvanisées. D'ailleurs, en fait, il ne connaissait même pas, donc c'est te dire. Et puis, il a surtout essentiellement des universels. Il a des doubles aussi, mais dès qu'on veut passer sur des jerseys ou des stretch, il n'a pas forcément toujours. Donc, voilà. Et puis, ben, moi, mon réparateur, il est à bah, 30 km, donc 60 km aller-retour. Donc, si j'ai besoin d'aller chez le réparateur, bah, oui, j'en profite, mais j'y vais pas pour ça, parce qu'alors, pour le coup, autant les faire venir. Hein. Là, les frais de port, ça me coûte les frais en courrier suivi. Combien j'en ai? Frais d'expédition, 3,80 €. Alors, je ne sais pas si c'est hors taxe ou TTC, par contre. En lettres suivies. Allez, je reprends bah, là où j'en étais. Hein. Dire, sur l'épaisseur, là, justement, sur laquelle il n'a pas aimé. J'espère que ça va aller mieux. Apparemment, ça va mieux. De toute façon, j'arrive à l'endroit où je vais de faire l'arrêt. Oui, c'est ici mon arrêt. C'est sur celle-là. C'est là où je m'arrête. Voilà. Je m'arrête. Je m'arrête. Bah, c'est normal que ça ne faisait pas de soucis. Je n'avais pas réenfilé la surjeteuse. Et personne ne m'a rien dit, voyez-vous. Voyez-vous, personne ne m'a rien dit en me disant, tu n'as pas réenfilé. Très bien. Je n'ai pas réenfilé, c'est normal que ça aille bien. Alors, on renfile. Non, j'ai cru que mon boucleur était cassé. Ouf, je viens d'avoir un petite frayeur. J'espère que c'est pas tordu dans l'affaire. Ça, c'est jamais très drôle quand il faut aller changer le doigt-mayeur.
Hop, alors, est-ce que tout va bien? A priori, oui. Alors, la chaînette se forme. Ok, on met le quatrième. Là, ah non, on va se rater. Raté. J'ai pris le fil autour du pied de biche. Dans l'idée que le deuxième, ce fil-là n'est pas pris. Celui-là, là, il n'est pas pris. Toujours en trois fils, ouais. C'est ce qu'il me semblait. La pince. Allez, mets-toi bien dessous. Voilà. Ah, ben voilà. Et dans ma chaînette. Et mieux. Allez, on y retourne. On revient là. La baisse. Alors, où est? C'est là. Hop, voilà. Ça, c'est pour un côté. Je vais enlever les épingles, éviter de filer. Le gilet, le tricot, hop, j'enlève. J'ai eu ça une fois sur une maille, alors pas une maille tricot aussi importante, enfin, grosse comme ça, mais sur un gilet une fois, il y a une épingle qui a accroché le tissu, qui a légèrement filé le truc. C'est pas, j'ai pas trouvé ça très drôle. Voilà. Est-ce que de ce côté-là, c'est bien? Ouais, c'est bien. Ok, on fait l'autre côté. Rapproche. Là. C'est reparti de l'autre côté. On se rejoint au centre. Alors, est-ce que c'est bien appuyé par là? Oui. Alors, même chose, il y a une épaisseur là, je me méfie. Voilà.
Alors, on arrive là aussi sur... L'encolure. Recule et on va enlever les épingles. Est-ce qu'au niveau de l'encolure, c'est bien fait? Oui. C'est toujours un peu le risque là au niveau de l'encolure. Comme il y a un raccord de couture. Alors, il va falloir que je rentre tous les fils. Non, le fil de bâti. Voilà, donc là, globalement, c'est quand même le raccord est plutôt pas trop mal. Parce que j'ai eu un ou deux gilets, le raccord du bas était pas super top. Donc il fallait que je rattrape à la main en réorientant un peu, en tirant un peu sur le tissu, en faisant une petite couture à la main pour que ça soit bien en face. Un peu triché, quoi. Là, franchement, c'est pas mal. Alors, mon aiguille pour rentrer. C'est très très calme cet après-midi. On est en pleine sieste ou en plein travail. Bon, il y a moins de monde que ce matin. C'est étonnant ça d'ailleurs. Je me rends compte. Plus de monde le matin que l'après-midi. Hop, allez, on va rentrer ça. Là-dedans. On va bien, bien tirer. Voilà. C'est pas mal comme raccord. Je suis pas parfaitement en phase. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, après... C'est à la main, aller plaquer cette couture-là, qui fait pas très jolie comme ça, d'aller la plaquer. Alors, en général, plutôt vers là, enfin, vers l'endroit où c'est le plus joli. Et là, le plus joli, ça sera vers l'avant, pour pas que ce petit bout, il ressorte là. Donc, hop, le plaquer bien, avec un point à la main, comme ça. Alors, ici, j'ai là. Des fils à rentrer. Entre. Là. Tac. Donc j'ai mon truc de tout à l'heure, là, ma bêtise de tout à l'heure, où mon aiguille s'est cassée. Même chose, faut que je le rentre.
Voilà. Et de l'autre côté en bas. Alors, même chose, j'enlève le fil de bâti. Et voilà, hop, et il n'y a plus qu'à rentrer. Bah, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Et là, étonnamment, il faudra plutôt que j'aille vers... Plutôt vers l'extérieur. Tac, hop. Et bien, après ça, il ne reste plus que les poignées. Je vais essayer d'aller prendre tout de suite. Là. Et ben là, j'aurais même pas besoin d'aller le bloquer. Il sera bloqué tout seul. Voilà, là, c'est pas mal du tout, franchement. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc là, on a la structure du gilet qui est finie. Il n'y a rien, on peut être complètement au contre-jour. Par là. Donc là, il est... Au niveau du corps, c'est complètement fini. Il ne reste plus que les deux poignets. Vous voyez, c'est rapide, hein? J'avais dit 2 heures cet après-midi. 3 heures ce matin, 2 heures cet après-midi. C'est pas une cousette très longue à faire. Les poignets, les voilà. Hop. Alors, par contre, j'en ai, mais partout. Si vous voyez l'état du bureau, du sol. Le tricot, ça vient de m'en semer, mais partout. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok. Pas assez baissé, vous voyez pas mes mains.
même chose. Je bloque. Alors, je sais pas par contre s'il va être très très doux au porter. C'est un peu rugueux au toucher. À voir. Pas ce que ça va donner. Bon, alors, en général, je le porte pas sur peau nue, hein. Ou même pas sur bras nus en fait. En général, j'ai toujours un truc en dessous, mais c'est étonnant, c'est un peu rugueux. Ce coton-là. Allez, hop, on y va. Et alors, là, faut que je marque l'écran. On va éviter de faire un trou là, voilà. Donc, poignée. Ah oui, mais peut-être que si je les avais plutôt fait par d'autre côté, l'écran, je serais pas à l'intérieur. Oui. T'aurais été plus intelligent. Alors, on va plutôt faire l'inverse. Hop. Un cran ici. Là. Un cran là. Tac. Allez. Alors là, il faut pas les tordre, faut pas tordre la couture à l'intérieur, parce que c'est pas très agréable sous le poignet. J'aime pas coudre les poignets des sweats. Je trouve que c'est super minutieux et ça m'agace. On a l'impression que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Puis en fait, bah, faut quand même pas, faut quand même pas les foirer, quoi. Hein? Donc. Là, alors je bloque. Ici, comme quand je fais mes croisures. Une épingle de chaque côté de la couture pour bien bloquer là. Alors. Oh bah j'avais même fait l'écran, non mais comme quoi j'avais même pas besoin de mettre le l'épingle, j'avais fait l'écran, j'avais fait un cran là, donc je l'avais mon cran. C'est pas à peine que je m'embête. Ah oui, j'ai fait l'écran. N'importe quoi. Hop. Je vais couper les fils là. Pas bien d'avoir. Autant arrêter de pas faire. Alors, d'abord, côté couture.
Voilà. Alors, même chose, je bloque pour que ça bouge pas. Avec épingle de chaque côté de la couture. Là. Là. Tac. Mon cran, bah, il est là. Parfait. Et même chose, je vais enlever le fil. Alors que ça me gêne moins. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre ça sur les manches. Il n'y a plus, enfin, il n'y a plus qu'à. C'est tout relatif, on est bien d'accord quand je dis qu'il n'y a plus qu'à. Hein, mais si, mais en fait, c'est ça, il n'y a plus qu'à. Alors, sur un de mes sweats, alors un des premiers, hein, faut bien dire, j'ai oublié de faire coïncider la couture de dessous avec la couture de dessous du poignet. Donc, j'ai l'inverse, j'ai la couture du poignet par-dessus. Bon, c'est un de mes premiers sweats, hein, on est bien d'accord, c'est un de mes premiers sweats. Slide. Ok, je suis en train de monter les poignets. Slide. Dernière étape. Dernière étape, dernière étape. Et je n'aime pas monter les poignets des sweats. Mes mains mieux. Alors, où est ma couture? Ma couture est là. On va aller la mettre dans ce sens-là pour que ça fasse moins d'épaisseur. La croix. La croix, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Là. Alors, même chose, je bloque. Tac. Bloc, là. Petite pince, où es-tu, petite pince? Là. Tac. Alors, de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai un cran ou ça? Je ne sais pas. Hein. Mais j'ai certainement un cran. Là, j'ai un cran, mais j'ai pas fait de cran sur mon poignet. Si, on va dire qu'il va être par là. Hop. Tac. Bien loin du couteau, s'il vous plaît. Et des épingles d'ailleurs, il n'y a pas que le couteau qui n'aime pas les épingles. Enfin, les aiguilles n'aiment pas. Donc. Hop. Alors là, je mets toujours 50 000 pinces pour m'apercevoir que sur la surjeteuse, de toute façon, il faut que je les enlève parce que pas la place. J'arrête. À chaque fois, je mets 50 000 pinces, mais en fait, de toute façon, ma machine, il faut que je les enlève pour que ça passe. Et ben, ça m'a pas l'air mal, ça. On va aller mettre des épingles plutôt. Bien loin. Là. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire cet après-midi, Sly? Et sur quoi? Hop, voilà une. Et l'autre manche est où? L'autre manche est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Ah, tu peux lire que le chat. Non, mais demain, je remettrai en 720, comme ça. Ça, il n'y aura pas de souci, tout le monde pourra regarder sans souci. Parce que manifestement, d'avoir mis en 1080, là, c'est pas possible. Donc demain, je remettrai en. Je remettrai en 720. Tac. Alors.
C'est par là. Donc, on va aller mettre la couture de l'autre côté. Alors, ma croisure, elle est là. Trop de fil, tu le files. J'ai des fils partout. Alors, hop, on bloque avec les épingles, que ça ne bouge pas. On bloque. Petite pince pour que tout ça soit bien positionné. J'ai l'impression d'avoir bougé ma couture. Non. Tac. De l'autre côté, mon cran, mon milieu est là. Je peux barrer, j'ai plus besoin de toi. Tac. Pince. Là. Et là. Petit coup d'épingle pour maintenir tout ça convenablement. Et il n'y a plus qu'à passer sur la machine. Voilà. Allez. Couture. Je vous rapproche de la survolteuse. Voilà. Alors, c'est là que j'aime pas. Je ne sais pas si sur les surjeteuses de haut de gamme, il y a une façon de faire les poignées facilement. Mais moi, je vous dis que sur la mienne, non. C'est tout petit. Alors j'arrive sur la couture, elle va donc râler un peu. Ah, elle râle. Elle râle. Je sors le fil. Salut Richard! Alors, toi, es-tu en télétravail aussi, comme tout le monde? T'arrives sur la fin, Aïcha, je suis désolée. Alors, quand je fais les poignées, j'ai tendance à, contrairement à tout le reste de ma couture sur surjeteuse, j'ai tendance à utiliser le couteau pour ratiboiser un petit peu, pour être sûre que toutes mes épaisseurs sont bien prises ensemble, parce que j'ai eu deux, trois fois des poignées, comme c'est tout petit, où je m'aperçois qu'à certains endroits, les épaisseurs ne sont pas bien cousues les unes avec les autres. Et je suis obligée de reprendre. Donc c'est vrai que autant j'utilise très très peu le couteau. Regardez, ça c'est uniquement ce que j'ai coupé depuis ce matin. Et donc il y a quand même surtout des fils. Je coupe très très peu sur la surjeteuse, sauf sur le poignet. Et là, donc c'est le poignet. Donc effectivement, j'ai tendance sur les poignets à couper un peu le tissu pour être sûre que toutes mes épaisseurs soient bien prises. Et ma croisure est nickel. Je sais pas si vous voyez, voyez pas, on voit rien de toute façon. T'étais en sortie sur un chantier. Ben, en même temps, il fait beau, Aïcha, c'est bien. Là, moi, il faut que j'aille chercher ma voiture au garage. Franchement, ça va être une promenade sympa, là, par le temps qu'il fait. Alors, devinez où? Ben, je ne sais pas, dis-nous tout. Tu vas nous faire saliver, c'est ça?
Est-ce que tu vas nous faire saliver avec ta sortie chantier? À deux pas de l'Olyshop. En effet. Donc, tu as dégoté des tissus, on est bien d'accord. Tu n'as pas pu faire autrement. La couture, attention, elle va râler. Voilà, elle râle parce que c'est l'épaisseur de la couture. C'était la dernière couture, les filles. Donc, qu'est-ce que tu as acheté à l'Olyshop? Dis-nous tout. Et j'ai des fils partout, j'en ai sur. J'en ai sur. Sans moi. Ta gabardine. Super belle pour un trench. Eh bien, tu sais que moi, je trouve que c'est super compliqué de trouver des jolies gabardines. Franchement. On rentre ça. Où est mon aiguille pour rentrer? Là. Tac. Je rentre dans les fils. Hop. Là, est-ce que ma croisure? Ah, ma croisure est moins nickel que la première. Bon, décidément, j'aurais fait qu'un sur coup sur deux, hein. La première était nickel. Là, franchement, c'est pas jojo, les filles. Ah là là, j'aurais décidément, j'aurais réussi une seule croisure sur deux. Fabriqué en Italie. Ah, ils ont des bons fabricants. Les tissus italiens. Hein. Hop, raté. Est-ce que tu saurais, Aïcha, la retrouver sur le site pour nous la montrer? À moins que ça soit un truc qui ne soit pas, qui est pas de référence en ligne, ça arrive parfois sur les magasins. Qu'il y ait des trucs, des références qu'on ne trouve que sur place. Alors ouais, moi je suis pas fan de Burberry. Enfin, au niveau du style, c'est pas mon trip. Hop, et voilà. Alors, c'est terminé. Je vous mets par là. Ah, t'as même la ref. Alors attends. Je vais aller te chercher ça. Te copier l'Olyshop. Et la ref. Alors, ça donne ça pour les copines. Alors, voilà, en ligne, c'est une gabardine, quoi. C'est typiquement le truc, si tu le vois pas spécialement. Ah, puis pas mal, presque à 50%, franchement, t'es à 40 là à peu près. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Franchement, non, elle est jolie. Jolie beige. Ouais. Ça fait envie, ouais, franchement, ça fait envie.
Je garde le lien. Alors, essayage. Lui en reste moins de 30. Ouais, ok. Ben je garde parce que ouais, ça m'intéresse. Voilà. Bah, c'est un gilet, hein, on n'est pas fun fun, hein, on est bien d'accord, hein. On n'est pas fun fun. Eh bien, j'ai bien fait de le retailler une taille plus grande que la précédente, parce qu'effectivement, il n'est pas très stretch. Donc, c'est bien. Hop, je vais écarter un peu. Vous voyez. Voilà, ça donne ça. Trop. Ouais, simple mais efficace, c'est exactement ça. C'est je mets, j'enlève en classe, ça c'est ultra pratique. C'est ultra pratique parce que je la mets, je l'enlève, je la pose. Donc j'en avais qu'une à moi parce que ma crop top, je la mets pas. Donc voilà. Des poches, toujours pratique. Mais effectivement, il fallait pas que je refasse la taille en dessous. Donc ça dépend vraiment de l'élasticité du tissu, hein, les filles. Parce que vous voyez, je suis quand même une taille. Alors elle est un peu longue, mais effectivement, parce qu'elle doit être un peu plus longue que l'autre au niveau de la taille. Ça dépend vraiment de l'élasticité du tissu, mais c'est. Voilà. Bah, écoutez, je vais la garder parce que pour aller chez le gar au garagiste, très bien. J'ai même pas besoin d'enfiler une veste, j'en ai déjà une sur moi. Voilà. Donc je la garde. Et ben voilà les filles, je vous avais dit 2 heures. Et ben pile 2 heures. Voilà, je vous avais dit 2 heures. Et ben on y est. Non, franchement, moi, très chouette modèle. Alors celles qui n'aiment pas être serrées sur les manches. Bah, faudrait peut-être que vous refassiez les manches, parce que ça, effectivement, c'est des manches très fitées. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Moi, ça ne me gêne pas, donc je m'en fous, parce que j'aime pas qu'il y ait des trucs qui quand j'écris, quand je corrige mes cahiers, j'aime pas avoir un monceau de tissu. Là. Les manches bouffantes, je ne peux pas, par exemple, parce que bon, moi, quand j'écris, j'ai plein de trucs, là, et je ne supporte pas. Donc, moi, j'aime bien que ça soit fité. Mais pour celles qui aiment plus lâches, là, il faudrait faire les manches. Voilà, c'était le cardigan Harper de Sinclair Pattern. Modèle gratuit. Juste à noter qu'il est sous taillé. Hop. Je vais revenir par là. Ouais, voilà. Bah écoute, si t'aimes pas les manches bouffantes, hein, franchement. Hein. Ouais, simple, efficace, pratique. Moi, c'est exactement ce que je cherche pour mes gilets. Il n'y a même pas de boutonnière à faire, rien. Voilà, eh bien, écoutez, très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que je vous envoie quelque part? Bah, peut-être vous m'envoyez quelque part quand même. Et puis je vous retrouve demain matin. Et demain matin, on entame le pyjama. Et donc le pyjama, c'est le modèle, c'est Madame Trixie de Studio Schnittrif, ou je ne sais pas, la marque allemande là. Voilà. Oh bah là je pense qu'on va en avoir pour. Alors il n'y a pas beaucoup de pièces, enfin pièces à coudre. Je pense que 2 à 3 lives, ça sera pas mal. Voilà. Je vous dis à demain. Je vais vous envoyer chez Killicut, qui est en train de faire des pantoufles, des chaussons peluches. Bonne fin de journée, bon courage à celles qui sont en train de travailler. Moi, je vous dis à demain matin. Alors, petit raid. Raid, KHIYY. Bonne journée.